Le mot Hosanna, en fait, est un cri. C'est comme un cri, au secours, viens nous sauver, Seigneur. Hallelujah. Et lorsque Dieu rassemble son peuple est fort. Mais il y a peut-être une personne ici ce soir qui dit, mais moi je suis faible. Hallelujah. Crie maintenant Hosanna. Hallelujah. Peut-être qu'il ne te reste qu'un murmure, mais murmure au Seigneur Hosanna. Hallelujah. Peut-être es-tu tellement abattu, tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche. Alors avec ton cœur, dis Hosanna. Hallelujah. Car Dieu lit au fond du cœur. Hallelujah. Hosanna, Seigneur, viens nous sauver. Tu es un sauveur, tu es bon, Seigneur. Hallelujah. Nous nous tournons vers toi ce soir, nous nous attendons à toi. Tu connais chaque personne, chaque situation, chaque défi, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Hallelujah. Tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui relève, Seigneur. Seigneur, tu prends un pauvre et tu en fais un héros, Seigneur. Hallelujah. Tu fais des braves avec des peureux, Seigneur. Hallelujah. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur. Tu es le centre de cette réunion, Seigneur. Tu habites, nous sommes chez toi, nous sommes dans ta maison, Seigneur. Hallelujah. Tu es la tête, nous sommes le corps. Tu es l'époux, nous sommes l'époux, Seigneur. Et tout bon berger pointe vers le grand berger. Et notre plus cher désir ce soir en tant que berger est de pointer vers toi, Seigneur. Nous avons désespérément besoin de te connaître, mais c'est aussi notre joie de plus te connaître ce soir, Seigneur. C'est un baume pour mon cœur de connaître mon Dieu. C'est une force pour mon âme de connaître mon Dieu. C'est une joie, c'est une guérison, c'est un avenir assuré de connaître qui est mon Dieu ce soir. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, maintenant, nous plaçons cette parole entre tes mains, Seigneur. Esprit de Dieu, c'est ton épée. Ce n'est pas l'épée de l'homme, c'est l'épée de l'Esprit. Hallelujah. Puissante épée comme un glaive à double tranchant. Rien n'échappe à sa vue. Elle sonde les cœurs. Hallelujah. Comme une parole de feu. Je n'ai pas besoin de crier, ta parole est feu, Seigneur. Je n'ai pas besoin de presser, ta parole est déjà un marteau qui fait exploser le roc, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de créer un feu humain. Ton esprit est là, Seigneur Jésus. Hallelujah. Ces instants sont à toi. Esprit de Dieu, glorifie le Fils de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dieu est bon. Combien ont été encouragés déjà par le psaume 37? Faites-moi, regarde Tim, hein? Toi, t'es inspiré. Moi, j'étais vraiment inspiré. Il s'en est pas rendu compte, mais il a prophétisé sur ma vie avec le psaume 37 ce soir. Amen, amen, il était vraiment inspiré. Et quelqu'un va être inspiré pour m'apporter un pupitre pour... amen, hallelujah, merci. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, le chapitre 12. Si vous le voulez bien. Mais si vous ne le voulez pas, on va quand même y aller. Et nous sommes, je ne sais plus, je crois que c'est le quatrième message sur cette série, Dieu est. Amen. Alléluia. Quelle paix de savoir déjà que notre Dieu est là. Amen. Notre Dieu est infini. On l'a vu ensemble, il est là, il est immuable. Et nous allons voir ensemble ce soir, Dieu est le seul sage. Hallelujah, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, on va le voir un petit peu plus tard. Tiens, on va le voir tout de suite. Et je le cite pour vous, le dernier verset de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul termine sa lettre en disant, « À Dieu, non, à Dieu, seul sage, soit la gloire. » Amen. Tournez-vous à quelqu'un et dites-lui, « À Dieu, seul sage, soit la gloire ce soir. » Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dieu est bon. Merci. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour la joie de nous retrouver, d'adorer, de prier ensemble, de s'encourager, de s'aimer les uns les autres, Seigneur, d'être avec toi et avec nos frères et sœurs, Seigneur, en plein cœur de cette semaine, en plein cœur de cette ville tellement agitée, tellement stressée. Il y a une maison de paix, Seigneur, et c'est parce que tu y es et que tu es le centre. Alléluia. Ces instants sont maintenant à toi pleinement, Esprit de Dieu. C'est tellement, je suis émerveillé en étudiant cette série que Dieu est. Je suis, parce que toutes mes études
dans tous les sens que je peux prendre la Bible, ça revient toujours. On peut partir dans n'importe quel sens en étudiant et le Saint-Esprit nous amène au Fils de Dieu. Toujours. Il nous ramène toujours à la croix. La croix est le centre de tout. Et j'aimerais vous démontrer ce soir, le Saint-Esprit va vous lui-même, je vais juste parler, il va le faire le reste, il va vous démontrer que Jésus est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu a été déployée à la croix. Vous allez voir combien la croix nous démontre la sagesse de Dieu et quelle assurance pour nos cœurs et nos vies de découvrir encore plus ce soir que notre Dieu est le sage. Amen. N'est-ce pas merveilleux de dire « J'ai confié ma vie au seul qui est sage. Mon passé, mon présent, mon avenir, c'est plus entre mes mains, c'est entre les mains de quelqu'un qui est vraiment sage. Amen. Hallelujah. Il y a le Conseil des sages en France. Hein, je crois que c'est le Sénat. Je ne comprends pas encore toute la politique française. Mais on prie pour les autorités, on est soumis aux autorités, on aime les autorités. Il y a le Conseil des sages, mais le sage, c'est notre Dieu. Amen. Hallelujah. Et j'ai un ami qui est ingénieur dans les radars et les ondes. J'y connais absolument rien, donc vous m'excusez si quelqu'un ici connaît. Ici ce soir, je vais complètement tout bousiller ce domaine qui est très complexe pour moi. Et il est spécialiste et il travaille à l'aéroport de Genève en Suisse. Et il m'expliquait qu'il existe, il y a très peu d'aéroports dans le monde qui ont ce type de radar. Il existe un radar qui s'appelle le radar ILS qui est très cher, qui est très complexe. Donc il n'y a pas beaucoup d'aéroports qui peuvent s'offrir ce système de radar. Mais ce radar permet à un avion d'atterrir en plein brouillard, même si le pilote ne voit absolument rien. Et j'avais tellement de la difficulté à croire ce qu'il me disait que je l'ai même rappelé. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Et j'ai dit, c'est vraiment vrai ce que tu m'as raconté? Il dit, oui, c'est vrai, tu peux le dire à l'église. J'ai dit, OK, je le dis un peu par la foi ce soir. J'ai moi-même un peu de difficulté à croire cela. Mais il existe ce système où un pilote, en fait, ne doit plus suivre ses écrans. Je m'excuse, hein, s'il y a des pilotes ici, vous allez sûrement venir me corriger après la réunion, mais voici comment moi je le comprends. Il existe un système de guidage radar où dans un brouillard total, le pilote suit ce qu'on lui dit, il ne fait plus trop confiance à ce qu'il voit, et il réduit tout le pilotage à un petit écran, et dans le petit écran, il y a une croix. Il y a seulement une croix, et il doit garder l'avion au milieu de la croix. Alors, il réduit l'altitude, il réduit la vitesse, il tourne à droite, il tourne à gauche, j'y connais absolument rien. Il y a un frère, là, je le vois, lui, il connaît ça un petit peu. Hein. Il m'a parlé, ouais. Il tiendra me voir après si je me suis trompé. Et ce système de radar, tout ce que le pilote doit faire, c'est de suivre, et ça, il fait ce qu'on lui dit, et il s'assure que l'avion reste au milieu de la croix, et à un moment donné, les roues touchent le sol, et tout le monde est sauvé. C'est le même système que nous avons les chrétiens. C'est une croix. Et ma vie doit rester au centre de la croix. Amen. Constamment, la parole de Dieu nous ramène à la croix. Si on part à droite, si on part à gauche, on va se cracher, je vous garantis. On doit rester les yeux fixés sur Jésus. Et vous allez voir, notre système de radar ce soir, on va le lire ensemble, ce système de radar. Chapitre 12, Hébreux 12. Verset 2, les yeux fixés sur le radar. C'est ce qui est dans votre Bible? Non? C'est ce qui apparaît à l'écran? Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas tout de suite, ça c'est plus tard. Les yeux fixés sur le radar. Jésus, qui nous a ouvert le chemin dans les brouillards de notre vie, le chemin de la foi, et qui l'amène à la perfection. Et maintenant, regardez la croix, à quel point elle est le centre, et ça apparaît maintenant à l'écran, on peut le montrer. En vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, méprisé la honte, et désormais il siège à la droite de Dieu. La sagesse, c'est la capacité de prévoir la meilleure fin en utilisant les meilleurs moyens. La sagesse, être sage, c'est la capacité de voir la meilleure fin possible. OK? Donc, la sagesse, c'est de penser à la fin des choses. OK? Vous me suivez? Et d'utiliser les meilleurs moyens pour arriver à la meilleure fin. Le bon pilote dans le brouillard
réduit tout le pilotage sur la croix. Il suit la croix, il garde l'avion sur la croix, il reste centré sur la croix et finalement, il arrive à la meilleure fin par les meilleurs moyens. Le chrétien garde les yeux fixés sur Jésus qui pilote, amen, sur la croix qui est le centre de notre vie et qui est la croix n'est pas la fin, n'est-ce pas? La croix est un moyen pour arriver à la meilleure fin. La meilleure fin, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant, la sagesse, c'est la capacité de prévoir la meilleure fin en utilisant les meilleurs moyens. Et la seule vraie sagesse a été déployée, prouvée en action, sans parole. Jésus était silencieux. Jésus a dit tellement peu de paroles à la croix. Mais Jésus est tellement focalisé sur sa mission et par son acte de se donner à la croix, Jésus a prouvé la meilleure sagesse. Je vais vous le vulgariser. Il est écrit, en vue de la joie qui lui était proposée, c'était quoi la joie? C'était le ciel, avec nous. Parce que Jésus avait le ciel sans nous. Il n'avait pas besoin d'aller mourir à la croix juste pour retourner au ciel. La seule raison pour laquelle Jésus était à la croix, c'est pour nous ramener au ciel avec lui. Amen. Hallelujah. La croix, c'est parce qu'il dit « Je vous veux avec moi. Je te veux avec moi au ciel et je me veux avec toi dans ton cœur, ici, maintenant, sur la terre. » C'est pas beau, ça? Ça, c'est la meilleure fin pour Dieu. C'est la fin de cette journée avec Jésus. Le début de cette journée demain avec Jésus, la meilleure fin, c'est de passer toute ta vie avec Jésus sur la terre et la meilleure fin, c'est de finir au ciel avec lui. Jésus avait les yeux sur la fin. Et la Bible dit, en vue de la joie qui lui était proposée, maintenant suivez-moi bien, il a méprisé la honte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un mystère que nous ne pouvons pas comprendre, mais Jésus avait le libre choix de ne pas aller à la croix. Il a même prié. Il a dit, « Père, s'il est possible que j'y aille pas, que tu puisses enlever cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. » Ça veut dire que Jésus, de son libre choix, il a dit lui-même, « Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. » Jésus a donné sa vie, OK? Donc, mais il y avait une partie de lui qui ne voulait pas souffrir dans son humanité, et Jésus savait qu'il allait souffrir, mais il a été capable, parce que ça, ce n'est pas notre nature à nous, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu est différente de la nature de Christian Robichaud. La nature de Dieu, c'est la capacité de voir la fin des choses, même s'il faut souffrir entre-temps. Les yeux fixés sur Jésus, qui est mon modèle, et lui, Jésus, en vue de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte. Ça veut dire quoi? Jésus a méprisé l'option de ne pas aller à la croix. Il l'a considéré. Il l'a jugé, il l'a mesuré, il l'a pesé. Dieu ne fait rien de façon irréfléchie. Et Jésus, devant la croix, en priant jusqu'au grumeau de sang, et finalement, il a dit, « Père, j'y vais. » Il a considéré, pesé la chose. Il a pesé que c'était le meilleur moyen pour arriver à la meilleure fin, même s'il fallait souffrir. Et dans la croix est prouvée la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse, c'est de penser à la meilleure fin et d'utiliser le meilleur moyen. À un point tel qu'il a méprisé la honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a évalué, si je n'y vais pas, vous imaginez, tout le plan de Dieu, le Père et même moi, nous serons dans la honte si je refuse de sauver ceux qui crient au secours pour être sauvés. Je pourrais ne pas y aller, mais je méprise cette option qui ferait que je me retrouverai dans la honte. Voyez-vous, les gens souvent prennent des mauvaises décisions et se retrouvent dans la honte. Ils prennent des décisions sur le moment. Ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actions. Alors, à un moment donné, ils vont se retrouver dans la honte. La sagesse, c'est de penser, mais qu'est-ce qui va arriver si je dis ça? Qu'est-ce qui va arriver si je fais cela? Qu'est-ce qui va arriver si je vais là-bas? Qu'est-ce qui va arriver si je fréquente cette personne? Quelles seront les conséquences? Pensez aux conséquences, pensez à la fin des choses. C'est la sagesse. Et Jésus a pensé à la fin
Comment sera la fin si je ne vais pas à la croix? Oh, ce sera la honte. Alors, il a méprisé la honte et il a porté sa croix, les yeux fixés sur la meilleure fin. C'est ça, Hébreux chapitre 12, verset 2. En vue de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte et il a pris la croix. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, deux choses ce soir que j'aimerais vous montrer. Premièrement, la sagesse de Dieu prévoit la meilleure fin. Amen. Déjà, les hommes sont un peu sages quand même. Par exemple, un petit gamin, on va l'appeler Gabriel, il rentre de l'école. Et puis, c'est le goûter. C'est à quelle heure le goûter? 16 heures, hein? Clac, tout le monde a dit comme ça. Clé. 16 heures le goûter, 16 heures. Et là, Gabriel, il a 8 ans, il rentre de l'école, il a couru partout, il a faim, il a soif, il fait chaud, il a 8 ans, il n'est pas sage, il rentre chez lui, mais maman est sage. Elle a préparé le goûter. Vous comprenez que si maman n'a plus rien dans son frigo, on va dire, mais cette mère, elle n'est pas de sage. Donc la maman, elle a quand même un peu de sagesse, elle prévoit. Le petit gamin, il se lève le matin, il sort du lit, à quoi il pense? Il pense à l'instant. J'ai faim. À quoi ils pensent les enfants quand ils rentrent de l'école? Ils pensent à jouer. Ils ne pensent pas faire leur devoir. Mais maman sait que si je lui donne un petit goûter, il va reprendre des forces, il va se réhydrater, il reprend un peu d'énergie, on va le calmer, on va l'asseoir. Et puis là, il faut que tu fasses tes devoirs. Ah, il ne veut pas faire mes devoirs. Hein. Il ne veut pas faire ses devoirs. Parce qu'il pense à l'instant. Mais maman pense à l'avenir. La sagesse, c'est toujours penser à l'avenir. Et la sagesse de Dieu est telle que Dieu, et ça apparaît maintenant à l'écran, la sagesse est la capacité de prévoir la meilleure fin par les meilleurs moyens. Maintenant, suivez-moi bien. Dieu seul voit la finalité avant le commencement, n'est-ce pas? On l'a vu, Dieu est infini, Dieu est éternel, Dieu est dans l'éternité, Dieu n'est pas dans l'espace-temps. Dieu regarde ma vie comme moi je regarde un livre. Dieu parle au dernier chapitre de ma vie. Parce que Dieu n'est pas dans l'espace-temps. L'espace-temps est comme un point dans l'éternité pour Dieu. D'ailleurs, il avait dit, oh, j'ai pas trop compris, là. C'est pas grave. Fais juste croire. Moi non plus, je comprends pas, mais je le crois. Dieu n'est pas dans l'espace-temps, il est dans l'éternité. Ah, tu peux avancer, tu regardes un film, tu peux avancer. Dieu connaît la fin. Dieu n'est pas dans le temps. Alors, et moi, je connais pas la fin. Donc, parfois, je suis complètement perdu dans mes décisions. Seigneur, je tourne à droite, je tourne à gauche, je dis oui, je dis non, j'avance, je recule, je bouge pas, qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire, parce que je connais pas la fin. Mais Dieu connaît la fin. Parce que Dieu connaît la fin, il a déjà prévu la meilleure fin pour ma vie. Amen. Et si je mets ma foi en Dieu, alors je crois que Dieu voit la finalité avant même le commencement. Dieu avait déjà prévu la fin de ta vie avant ta naissance. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller dans sa volonté, parce que l'homme a le libre choix. Il a une certaine liberté. Mais l'homme a le libre choix de mettre sa confiance en Dieu ou pas. Mais Dieu connaît la fin de ta vie. Dieu sait si tu m'obéis, si tu me suis, si tu me fais confiance, si tu te soumets à moi, et si tu je dirais encore plus cash, si tu fais le psaume 37, tout était là. Hein? Si tu me fais confiance, on l'a, tout était là. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, espère en lui, tout ce qui a été partagé par Timothée, si tu fais ça, moi, je connais la fin. Fais-moi confiance. Dieu fait tout concourir au bien pour ceux qui l'aiment. C'est un verset. Maintenant, le mot concourir en grec, c'est très fort parce que ça veut dire mettre les choses ensemble. Dieu met les choses ensemble pour ton bien. Pasteur, je souffre. T'inquiète pas. Dieu est en train de faire concourir. Pasteur, j'ai fait un péché. Mais Dieu savait que tu allais faire ce péché. Il peut me tourner n'importe quoi. Mais pasteur, le diable est sur mon dos. C'est même pas un problème pour Dieu. Amen. Et là, vous me regardez, vous n'êtes pas sûr. Hein? Mais tout, ça veut dire tout. Tout concours. Ah, ben pasteur, c'est super, je sors en boîte ce soir, je fais n'importe quoi de ma vie, je vais jouer toute ma maison au casino, je peux faire n'importe quoi, tout va concourir au bien. Non.
Ça ne marche pas comme ça. Il y a des conséquences à nos actions. Et on vit avec les conséquences de certaines erreurs qu'on a faites, n'est-ce pas? Mais Dieu est tellement bon, amen, que Dieu fait tout concourir au bien. Quel beau témoignage on a entendu ce week-end du fils de Gary Wilkerson qui, délivré de la drogue, le Saint-Esprit le visite dans sa cellule de prison. N'était-ce pas encourageant? Mais Dieu ne voulait pas qu'il se drogue. Dieu ne voulait pas qu'il se fasse mal comme ça. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais parce qu'il s'est repenti, le Seigneur a fait concourir les choses à son bien. On ne peut pas abuser de la grâce de Dieu, mais quand on se repent, Dieu ramène les trucs. Dieu rattrape les choses. Dieu peut rebâtir une vie. Dieu peut faire tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Écoutez bien ceci. Dieu considère parfaitement, parfaitement, parce que Dieu est parfait, tous les enjeux de ta vie. Tous les enjeux de ta vie. Dieu considère, il y a des enjeux peut-être financiers, de santé, relationnel, de ton passé, de face à ton avenir, de ta personnalité, des blessures, des faiblesses que tu as, de ton tempérament. Peu importe ce qu'il y a, tous les enjeux de ta vie, Dieu les considère parfaitement. Les risques, Dieu les connaît. Les obstacles, les bévues qu'on peut faire, les erreurs, les attaques de l'ennemi, Dieu les connaît déjà à l'avance. Les résistances. Papa, tu pries pour ton fils résiste à Dieu. Ah, il y a des gens, mais qu'est-ce qui résiste, hein? Je dis, mais c'est pas possible de résister comme ça au Seigneur. C'est pas possible. Moi, j'ai vu des gens se repentir en larmes et d'autres, ils étaient comme ça. Je dis, comment est-ce qu'on peut résister en pleine présence de Dieu? Mais Dieu est au contrôle. Rien ne surprend Dieu. Dieu est le sage. Dieu a tout prévu. Amen. Il y a une saison où on peut être dur, mais à un moment donné, Dieu connaît les cœurs, les attaques, les résistances. Et Dieu prévoit les meilleurs moyens avec une précision impeccable pour arriver à la meilleure fin. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Alors, nous arrivons à une conclusion. C'est que Dieu n'utilise pas les meilleurs moyens. En fait, je me suis trompé. Dieu utilise le seul chemin. Parce que si Dieu utilise les meilleurs moyens, c'est qu'il y aura peut-être d'autres moyens un peu moins meilleurs, mais on y arrivera quand même. Non. Le plan de Dieu est le seul qui va marcher. Si j'obéis à Dieu, ça va marcher. Je n'obéis pas, ça ne va pas marcher. Mon plan n'est pas un sous-plan qui va quand même y arriver, un moyen moins bon, mais on va quand même. Mais Seigneur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Donc, on va faire un petit peu autrement de ce que tu as prévu, Seigneur. Ça ne sera pas le meilleur moyen, mais ça sera le deuxième meilleur moyen. Dieu n'a pas le meilleur moyen pour arriver. Dieu a le seul chemin pour y arriver. Si je n'obéis pas au Seigneur, si je ne cherche pas sa volonté, si je ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu pour ma vie, je ne connaîtrai pas le seul moyen pour arriver à la meilleure fin. Amen. Le Seigneur a prévu, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit, je suis le seul chemin, hein? Jésus est le seul chemin, les yeux fixés sur lui pour arriver. Et même si tu te retrouves ce soir dans une situation de souffrance, d'incompréhension, il faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Je peux tellement peu imaginer, mais j'essaie d'imaginer Jésus à la croix dans toute la souffrance qu'il a vécue, l'humiliation, les fausses accusations contre lui, n'est-ce pas incroyable? Un faux tribunal, livré, trahi par un de ses disciples. L'humiliation, il a été mis nu, il a livré son dos au fouet, et on lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage. Des gens qu'il a guéris, la foule s'est soulevée contre lui. Et vous savez, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce soir, mais un historien très réputé qui s'appelle John Stott explique que la crucifixion était la pire de toutes les tortures de l'Empire romain, tellement qu'au Sénat, des sénateurs romains au Sénat ont plaidé pour que la crucifixion soit bannie complètement de l'Empire romain, tellement la crucifixion, c'était la mort la plus terrible connue sous l'Empire. Jésus est allé à la croix. Il a dit, ça va être terrible, ça va me tuer, mais en vue de la joie qui lui était proposée. Et ce soir, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, mais si tu confies tout au Seigneur, peu importe si tu ne comprends pas les moyens que Dieu est en train d'utiliser,
Même si tu dis, mais Seigneur, je t'ai tout confié et tout bascule. Je t'ai tout donné et tout tourne mal. Seigneur, je me suis livré entre tes mains et maintenant j'ai des problèmes, j'ai une tempête, j'ai des incompréhensions. J'ai crié à toi, tu ne réponds pas. J'ai l'impression que je suis dans une saison de ma vie où il y a un silence de Dieu. Tu as confié ta vie à Dieu, fais-lui confiance. Il utilise le seul chemin qui va t'amener à la meilleure fin. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Amen. Hallelujah. Dieu a prévu le seul chemin pour arriver à la meilleure fin. Nous en concluons ce soir que Dieu est le seul sage. Quelqu'un dit amen. Amen. Hallelujah. Voyez-vous, il est même écrit que la sagesse, c'est écrit dans Job chapitre 32, « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui est sage, c'est Dieu qui est le seul sage. Dieu prévoit la meilleure fin. Et deuxièmement, on va terminer avec ceci ce soir, on ne sera pas long. Dieu prévoit le plus grand bien. Dieu prévoit la meilleure fin et la sagesse, c'est de prévoir le plus grand bien. Le plus grand bien de l'homme est prouvé dans la mort de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour une meilleure économie. Jésus n'est pas mort pour une meilleure politique. Jésus n'est pas mort à la croix en nous promettant que le monde ira mieux. Jésus est mort à la croix pour une raison morale. L'homme est méchant dans son cœur. Il faut que la justice de Dieu tombe sur le méchant. Jésus a pris notre place en tant que méchant, en tant que condamné à mort. Jésus est mort à cause d'une condamnation immorale de la méchanceté de l'homme. Donc, suivez-moi bien. La première chose qui intéresse Dieu, c'est ce qui est moral. Dans notre société aujourd'hui, on parle de moralité, mais on n'a pas les mêmes barèmes que la parole de Dieu. À travers les âges, la moralité change. Le bien et le mal changent d'un pays à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, d'une génération à l'autre. Mais pour Dieu, le bien et le mal demeurent selon ce qu'il a dit. Et Jésus est mort à la croix. Remarquez à quel point ce qui est moral est très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les gens ne pensent que très rarement à l'aspect moral des choses. Souvent, à quoi est-ce que les gens pensent? Ce qui est matériel. Matériel, 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 matériel. Quand je suis arrivé en France, il y a un homme qui a promis, et j'ai prié pour lui parce qu'il a été président, M. Sarkozy, mais il a promis qu'il allait augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et la crise 2008 est arrivée, le pouvoir d'achat est tombé comme ça. Et après, il n'a pas pu être président par la suite, tu vois? Parce que les Français pensent à ce qui est matériel. Qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée? Franchement, on va dire les vraies choses. Quand on est dans le métro, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les fringues des autres. Ah! Bon, je me confesse, je suis un petit peu comme ça. J'ai une petite faiblesse pour les chaussures, que personne ne m'offre des chaussures. J'ai une petite faiblesse pour j'aime les chaussures. Et quand je marche dans le métro, j'ai dit, Seigneur, je prie pour les gens autour de moi. Et parfois, je prie pour quelqu'un, alléluia, Seigneur, touche-le. Oui, il y a vraiment des belles chaussures, lui. Pardon, Seigneur, je prie pour son âme. C'est quoi sa marque, Seigneur? Non, j'y pense plus, Seigneur, promis, j'y pense plus, Seigneur. On est matériel. Il faut l'avouer, il faut quand même se confesser. On a tous un petit côté matériel. Jésus n'est pas mort à la croix pour du matériel. Seigneur, je suis devenu chrétien, j'étais certain que tu allais m'offrir une Ferrari. Ben, ça se peut très, très bien que tu ne l'aies pas. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies une plus belle voiture. Si le Seigneur t'offre une plus belle voiture, amen. Pas de souci avec ça. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour des choses matérielles. Et si tu souffres dans un appartement où ce n'est pas facile et tu dis, mais Seigneur, je suis chrétienne et puis je devrais avoir un super appart parce que je suis chrétienne, c'est un évangile que je ne crois pas. Je ne crois pas à ça, moi. Parce qu'aujourd'hui, 75% de la population mondiale vit sous le seuil de la pauvreté. On ne parle pas du tiers-monde, on parle du deux tiers du monde. Et dans les deux tiers du monde, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a des millions de chrétiens dans le monde que cet évangile de prospérité, ça ne peut pas marcher pour eux. Parce qu'ils sont tellement pauvres.
Mais moi, j'ai vu des gens dans des pays très pauvres comme Haïti. J'ai vu des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui se levaient le matin, mais ils avaient une moralité. Ils n'avaient pas tout ce qui est matériel, mais ils avaient la vraie richesse. La vraie richesse n'est pas matérielle, la vraie richesse, elle est morale. Et quand ma moralité se purifie et augmente, mon comportement est meilleur, et c'est moi qui est riche. Quand j'ai plus de douceur, je suis plus moral, je suis riche. Tu peux être milliardaire, mais si tu es impatient, tu es pauvre, parce que tu n'as pas de patience. Et tu peux être pauvre matériellement, mais si tu es patient et doux et plein d'amour et de grâce envers les gens autour de toi, c'est toi qui es riche. Jésus est mort à la croix pour ce qui est moral, d'abord. Bien sûr qu'il a promis qu'il allait prendre soin de tous nos besoins, pas tous nos désirs, mais nos besoins. Amen, hein? Faut faire attention, hein? Jésus est mort à la croix, bien sûr, il pourvoit tous nos besoins, mais Jésus est mort, le plus grand bien n'est pas matériel, mais il est moral. J'ai lu une étude qui m'a bouleversé sur les SDF de Paris, les gens qui vivent dans la rue, par l'INSEE, une étude quand même assez sérieuse qui a été publiée dans différents journaux, qui démontrait, ils ont été à la rencontre on ne parle pas des réfugiés, on parle vraiment des SDF français, 50% des gens qui vivent sur la rue aujourd'hui, ils sont à cause de mauvaises décisions morales. J'ai joué l'argent, j'ai tout perdu. J'ai sombré dans l'alcool, j'ai trompé ma femme, j'ai levé la main sur ma femme, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Parce que moi, j'ai commencé à en parler à quelques-uns. Et voilà, dégringolade morale. Ce qui est moral affecte ce qui est matériel. Le monde ne veut pas comprendre ça. Le monde croit que ce qui est matériel va affecter le moral. Si j'ai... Vous ne croyez pas? Allez chez Mango. Allez voir toutes les... Maintenant, je n'ai pas de problème. Hein. J'ai une femme et j'ai deux filles. Croyez-moi, Mango, je suis allé souvent. Hein. Et bien sûr, Dieu n'a rien contre un nouveau chemisier. Dieu n'a rien contre ça. Hein. Je ne suis pas légaliste, inquiétez-vous pas. Mais pourquoi tellement de femmes se ruent sur ces choses? Parce qu'elle croit, si j'ai quelque chose de nouveau, matériel, ça va me recrinquer le moral. Pas vrai? Hein? Ça remonte le moral. Une nouvelle paire de chaussures, tiens, ça remonte le moral. T'as vu mes nouvelles baskets et tout? Ça remonte le moral, ça dure un mois. Même pas. Les gens pensent que le matériel améliore le moral. Jésus n'est pas Jésus mort à la croix parce qu'il savait qu'un meilleur moral affectera même le matériel. Une meilleure moralité, tu vas mieux diriger tes sous, tu vas mieux gérer ta vie, tu vas mieux te comporter avec ta femme, tu vas mieux te comporter avec tes enfants, et tout ira mieux, même matériellement. La première chose dans le monde, c'est la moralité. Quand j'étais en Chine, j'étais bouleversé d'apprendre. Vous savez, il y a eu cette politique de l'enfant unique, hein, un enfant par famille en Chine. Eh bien, aujourd'hui, ils vivent les conséquences morales. Je ne peux pas vous raconter, c'est immense. On parle de plus d'un milliard de personnes. Il y a un problème de société. S'il y a des Chinois, certains vous êtes d'accord avec moi, c'est des Chinois qui m'ont témoigné des choses. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des familles brisées. Il y a des débalancements au niveau de la famille qui sont devenus incroyables parce que l'État a pris une décision économique, matérielle, mais qui a une influence terrible sur la moralité des gens. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de Chinois souffrent de cette politique. C'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos gouvernements. Toute décision est d'abord morale. Le sujet le plus important de ma vie et de ta vie, c'est ce qui est moral. Jésus est mort à la croix avec en tête et dans son âme un aspect moral. L'homme est pécheur, l'homme est méchant, l'homme est mal. Il a besoin que je donne ma vie pour lui, pour que le Saint-Esprit vienne vivre en lui, pour qu'il ait une meilleure moralité afin de mieux vivre. Dieu pense aux choses morales. Quelqu'un dit amen ce soir. Dieu prévoit la meilleure fin et Dieu prévoit le plus grand bien. Et nous terminons avec ceci ce soir. Alors, quelle est notre part? C'est cette confiance de venir à Jésus et de dire, toi qui es le sage, toi seul sage,
qui voit la fin des choses et qui utilise le seul chemin pour y arriver, viens dans ma vie. Prends les rênes de ma vie. Guide-moi. Dirige-moi. Ma nature, elle n'est vraiment pas bonne, Seigneur. J'ai besoin de ta nature. Et Paul a dit quelque chose d'incroyable qui n'avait jamais été dit avant dans la Bible. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je peux avoir cette foi ce soir que le sage va vivre à travers moi. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. La solution de Dieu, c'est de mettre le sage en nous. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Toute la sagesse de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui prouve la sagesse de Dieu à la croix. Et après, l'Épître aux Hébreux nous dit, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Arrête de mettre tes yeux sur toi, Christian. Tu vas toujours être déçu. Mets tes yeux sur Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Retourne vers Jésus. Passe du temps avec Jésus. Parle avec Jésus. Tu peux parler avec Jésus. Saviez-vous, vous pouvez parler avec Jésus, pas seulement à l'église. Vous pouvez parler avec le Seigneur Jésus n'importe quand. Vous pouvez parler avec Jésus même dans le métro. Les gens ne vont pas penser que vous êtes fou. Hein? Les gens vont penser que tu parles au téléphone, que tu as un nouveau truc invisible et puis tu peux parler au téléphone. Tu peux parler au Seigneur. Dernièrement, je marchais, je fais des marches de prière autour dans le quartier. Et je marchais, je commençais à prier à haute voix. Je disais, mais les gens, le Seigneur me disait, prie à haute voix, tout doucement, murmure. Je dis, les gens vont croire que je suis fou. Le Seigneur dit, non, ils vont croire que tu fredonnes une chant. Je dis, ah, c'est vrai, ils vont penser que je suis comme ça. Bah, 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 bah. Et les gens pensent que je chante, tu vois. Mais je prie pour eux, je prie pour les gens autour de moi. Je peux parler avec mon ami et mon sauveur partout, en tout temps. Hallelujah. Et je ne me confie pas en moi. Oh là là, Seigneur, c'est toi le sage, c'est toi le seul sage. Ça, c'est une grande leçon. Une deuxième leçon, c'est que le Seigneur Jésus nous montre que le meilleur investissement pour ma vie, c'est de penser au ciel. Je répète, c'est de penser au ciel. C'est de ne pas trop penser ici. Bien sûr, il faut s'occuper de ces choses, mais d'avoir les yeux sur la fin. La sagesse, c'est de penser à la fin. La meilleure fin, c'est quand on va se tenir devant le trône de Dieu et qu'il va nous dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Merci pour tous ces mardis où tu es venu prier pour ta fille. Merci pour tous ces mardis où tu as prié pour ta nation, où tu as prié pour ta ville. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour ton offrande, pour ma maison. Merci pour cette sœur que tu as encouragée. Merci d'être venu. Merci d'avoir filmé, tiens, un culte. Merci, les musiciens, pour toutes ces répètes que vous avez faites. Merci d'avoir investi du temps, de l'argent, du talent de toi pour les choses du ciel. Hallelujah! Ce jour va venir. Ce jour va venir. Vous ne croyez pas? La sagesse, c'est de penser à la fin. Mon ami, investis pour le royaume de Dieu. Investis pour le royaume de Dieu. C'est la meilleure banque. C'est le meilleur investissement. Et on va terminer bientôt. Il est là, Tim. On va prier. Il va arriver. J'encourageais une sœur la semaine dernière qui traverse un moment extrêmement difficile, qui me disait, « Pasteur, pendant des années, j'ai pleuré devant Dieu et ce n'est pas arrivé. » Ce pourquoi elle avait prié, elle m'a dit, « Le Seigneur ne l'a pas fait, c'est même l'inverse qui est arrivé. » J'ai dit, « Non, non. » Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu tient dans une coupe dans le ciel. Vous savez, c'est écrit dans l'Apocalypse. Hallelujah! Les larmes des saints. J'ai dit, elle me dit, pasteur, j'ai tellement coulé de larmes pour cette situation et c'est l'inverse qui est arrivé. J'ai dit, il n'y a rien de perdu avec Dieu. Rien n'est perdu. Tes larmes sont dans... Tu t'imagines quand même? C'est tellement précieux pour Dieu. C'est dans sa main, sur son trône, dans le ciel. Là, il n'y a personne qui peut aller voler ça. Hein? C'est dans la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, il y a les larmes des saints. Hallelujah. Toutes nos prières. Mon ami... Il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir pour le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. On va baisser la tête ensemble et on va prier. Seigneur Jésus, nous venons vers toi ce soir, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur Jésus. Hallelujah.
Seigneur, là, tu es le sage, Seigneur, le seul sage, Seigneur. Alors ce soir, nous venons devant toi et nous voulons que tu puisses vivre en nous, Seigneur. Je ne peux pas être plus simple, mais tu as promis, tu as dit, j'irai au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit, le paraclète, l'avocat, la puissance de Dieu qui va venir en vous. Et Paul rajoute, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le caractère du seul sage qui vit en moi. Seigneur, tu as promis de nous guider. Tu as promis de nous aider, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, de réparer les choses, Seigneur, parce que tu es le seul sage. Tu connais le seul chemin, les meilleurs moyens pour arriver à la meilleure fin. Et la seule chose que tu nous demandes ce soir, c'est de nous confier en toi. De tout te confier. Alors, on va faire quelque chose ce soir. Est-ce qu'on peut juste se lever en terminant, se mettre devant le Seigneur? Je ne vois pas les musiciens, il n'y a pas vraiment de musiciens peut-être qui restent, mais ce n'est pas grave. Juste nos voix ensemble. Amen. On peut juste se placer devant Dieu un instant. Commencer. Si vous le pouvez, faites juste lever vos mains vers le Seigneur, comme si tu lui donnais quelque chose. Tu lèves tes mains vers le Seigneur, tu dis, voici Seigneur ce que je te donne, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon passé, Seigneur. Je te donne la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle je suis, Seigneur Jésus. Je te donne mes questions, je te donne mes incompréhensions, Seigneur. Seigneur, je veux être une meilleure personne morale par ton esprit, Seigneur. Je veux penser à la meilleure fin, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'être un mari fidèle. On va se dire les vraies choses. Avec toute la sensualité qui remplit les rues de Paris en cet été, ces journées chaudes où les femmes, tellement de femmes, sont dévêtues et sexy autour de nous. Seigneur, donne à chaque homme un regard saint, Seigneur, de garder ses yeux, Seigneur. La force de mettre les yeux sur le trottoir plutôt que sur une femme qui est sensuelle et qui pourrait l'amener vers le péché, Seigneur. Seigneur, donne même à chaque femme de ne pas regarder à la sensualité afin d'être tellement... Certaines femmes sont tellement découragées en se comparant aux standards de ce monde. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Tu es belle aux yeux de Dieu. Hallelujah. Tu n'as pas besoin de te mettre sur les standards de cette génération. Tu es belle et précieuse aux yeux de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Une épouse me disait dernièrement, Christian, je suis inquiète. Je vieillis. Et je vois toutes ces jeunes femmes autour qui tentent mon mari au travail. Hallelujah. Mets tes yeux sur le Seigneur. Tu es belle aux yeux de Dieu. Hallelujah. Seigneur, mets ta main, Seigneur. Mets ta main, Seigneur Jésus. Tu es le seul sage, Seigneur. Tu nous donnes la force d'être de bonnes personnes morales. Hallelujah. Tu nous donnes la force, Seigneur, de penser à la fin, même s'il faut traverser des moments difficiles dans nos vies, Seigneur. Tu es le seul sage. Hallelujah. Et le seul sage habite en nous. Hallelujah. 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 Confie-lui maintenant. Hallelujah. Fais juste lui confier. Tu peux murmurer tout doucement. Et juste lui dire, Seigneur Dieu, tu vois mon inquiétude, tu vois ce qui me prend le cœur, Seigneur. Tu vois peut-être que tu es venu ce soir la boule au ventre. Donne-lui. Donne-lui. Repars à la maison avec le psaume 37. Hallelujah. Repars à la maison avec le seul sage. Le Seigneur sait ce qui se passe. Oh, mais pasteur, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi, j'ai tout bousillé, j'ai tout détruit, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Viens à Jésus, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confie tout au Seigneur ce soir. Donne-lui tout. Le Seigneur sait réparer. Hallelujah. Sait réparer les erreurs que tu as faites. Sait réparer le mal que l'on t'a fait. Hallelujah. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le seul sage. Hallelujah. Combien ont pris, soyons vrais, combien maintenant là ont vraiment pris le temps de confier quelque chose au Seigneur? Levez la main. Hallelujah. Maintenant, regardez votre main. Regardez-la. C'est vide. C'est plus là. C'est donné. Amen. Maintenant, il faut vraiment juste, on se confie et on lui fait confiance. Amen. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il te dit, soumets-moi toute ta vie. Confie-toi en moi. Obéis-moi. Marche avec moi. Fais-moi confiance. Et préoccupe-toi d'abord de ce qui est moral. Hallelujah. Et je vais t'aider à être une meilleure personne morale.
Le sage, le seul sage, habite en nous ce soir. Amen. Hallelujah. Combien sont des enfants de Dieu? Levez la main. Amen. Hallelujah. Eh bien, le seul sage habite en vous. Amen. Il faut juste lui faire confiance. Hallelujah. C'est ça. Il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais juste faire confiance au Seigneur. Amen. Hallelujah. Ne partez pas, mais saluez 3-4 personnes et dites-lui, le seul sage habite en toi. Fais-lui confiance ce soir. Amen. Hallelujah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Le seul sage habite en vous. Il marche avec vous. Il rentre avec vous ce soir. Dieu est bon. Dieu est fidèle en tout temps. Alléluia.